suis ingénieur de formation à la base et j'ai commencé à travailler en 1980. La première partie de ma carrière s'est passée ici, au pays, en République de Guinée. Ensuite, j'ai eu la chance d'intégrer le système des Nations Unies. Et depuis 1982, j'ai travaillé dans le système des Nations Unies jusqu'à ma récente retraite en fin 2020, il y a environ 7 ans. Au cours de ma carrière, j'ai été employé par plusieurs institutions du système des Nations Unies, dont successivement la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la FAO, l'UNOPS, le FIDA et enfin les Nations Unies en appui à l'Union africaine dans le cadre de l'Agence panafricaine de gestion des risques. J'ai terminé ma carrière avec le titre de sous-secrétaire général des Nations Unies. Je suis maintenant au pays et j'ai eu l'honneur d'être choisi par le colonel Mamadi Doumbouya pour servir en qualité de Premier ministre de la transition. C'est avec un immense honneur que je prends fonction pour contribuer à l'histoire que vit mon pays aujourd'hui et dont l'objet est de construire la Guinée de demain. Une Guinée qui est juste, équitable et au service de chaque citoyen. Comme vous le savez, personne ne s'attendait à ce changement. Le changement a eu lieu le 5 septembre et nous avons tous vu la Guinée repartir sur une nouvelle base. Nous avons vu une Guinée sur une feuille blanche, avec des opportunités et des risques. Au fur et à mesure, le programme du CNRD s'est déroulé et nous avons mis les opportunités à encore grandir. C'est donc un très grand honneur pour moi d'être aujourd'hui au milieu de ces opportunités pour servir la Guinée après la carrière que j'ai faite et de laquelle je dois sincèrement et humblement être fier. J'ai aujourd'hui la chance, encore une fois, d'aller plus haut avec mon pays et surtout d'essayer d'effacer les 63 années qui ont été quelque part un peu perdues. Mon rôle est de servir la transition pour qu'elle se passe dans les meilleures conditions. Je considère le gouvernement que je vais conduire comme un gouvernement de mission. Je dirais même un gouvernement de délivrables. Ces délivrables sont, d'une part, mettre en place les conditions idoines pour que le volet politique se passe dans les meilleures conditions et qu'au bout de ce volet processus, on ait les bases institutionnelles et politiques d'une Guinée qui est juste et équitable encore une fois. Et de l'autre côté, c'est d'essayer de transformer l'administration publique, tout au moins commencer à la transformer pour qu'elle soit réellement au service du citoyen et pas le contraire. Et enfin, appuyer le colonel pour qu'on ait une justice juste, transparente et équitable pour tous les Guinéens. La décision suivante est de concevoir une structure gouvernementale. Ensuite, s'en suivra la nomination des membres du gouvernement. Comme nous disons, nous voulons des personnes qui sont engagées dans l'esprit, la vision et la mission du CNRD. Nous voulons des personnes qui ne sont attachées d'aucune accusation, juste. Nous voulons des personnes qui aiment ce pays, qui ont le dynamisme, qui ont les compétences, qui ont la crédibilité et la probité nécessaires dans la construction d'une Guinée nouvelle, future, brillante et dans laquelle chaque Guinée, il fait bon vivre. Le message au peuple de Guinée est de dire que nous avons une chance, nous avons une opportunité
sous la direction du colonel Mamadi Doumbouya, de profiter de la feuille blanche qui nous a été donnée pour construire notre futur. Mais il ne le fera pas seul, le gouvernement ne le fera pas seul, il faut que nous nous impliquions tous, chacun là où il est. Il faut que chacun de nous se remette en cause pour dire que nous avons notre part de responsabilité si la Guinée est là où elle est. Nous méritons plus, nous pouvons faire plus. Nous avons la responsabilité de construire notre histoire pour nos enfants et nos petits-enfants. Nous ne devons pas être derrière. La Guinée, depuis 1958, a donné l'exemple. C'est une opportunité, encore une fois aujourd'hui, de dire aux Guinéens, nous pouvons reconstruire notre pays et servir d'exemple à l'Afrique. Je crois que nous devons tous ensemble être conscients de cela. Et nous avons cette opportunité devant, derrière le CNRD, avec le CNRD et devant le CNRD. Nous allons essayer ensemble de travailler. Nous voulons un soutien au CNRD et au programme qui jusqu'à présent a été plébiscité. Le 2 octobre était un jour où l'unité nationale n'était plus une question dans notre pays. Ce élan doit continuer. Il doit continuer et c'est seulement de cette façon-là que nous pourrons réussir. Je vous remercie.